Et ben voilà, c'est Ika de Jong. Suivez-moi sur streetbuzz.be, la valeur sûre de la communication en Belgique et partout dans le monde. Ika, présentatrice, modératrice, coach, intervenante, maman, businesswoman, fondatrice de Ika de Jong Foundation. Bientôt, on écrira « Influenceuse est égale Ika de Jong ». En plus, tu fais partie des femmes les plus influentes d'Afrique, notamment de la RDC. Que dis-tu de tout ça ? Merci d'abord d'avoir un micro si honorable qui est de streetbuzz.be. Merci à toi, frère. Merci de m'avoir invité. Qu'est-ce que je peux dire de tout ça ? Je remercie Dieu pour la personne que je suis. Je remercie toutes les personnes qui continuent à croire en ma personne. C'est vrai que toutes ces casquettes, je les porte avec beaucoup de dignité. Et je fais attention à continuer à la porter avec cette dignité parce que je suis l'image de cette maman, de cette femme, de cette fille qui est aujourd'hui la vendeuse de ce continent africain au niveau international. Je vends cette image-là. C'est pour ça que je dis que je suis un peu la vendeuse. Je vends cette image-là de cette Afrique digne parce qu'on a toujours eu l'habitude de voir qu'on ternit l'image du continent africain et surtout la femme africaine. Et aujourd'hui, quand on a des représentantes qui... Je ne suis pas la seule. Il y a des représentantes qui valorisent convenablement ce continent et surtout mon pays qui est la République démocratique du Congo. Il n'y a pas plus beau que ça. Rika, nous, à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours une année riche pour toi. Mais qu'est-ce qui est différent maintenant ? Ce qui est différent maintenant, c'est que je passe souvent de l'autre côté de la barre. C'est vrai que je continue à faire des interviews, c'est vrai que je continue à présenter des soirées, c'est vrai que j'ai ce côté-là que j'ai toujours développé avec JLTV, avec mon frère l'ingénieur Toubadelo. J'ai développé ce côté motivational speaker où je tiens des conférences, où je parle un peu pour motiver toutes ces femmes qui viennent un peu de partout pour leur montrer que tout est possible à celui qui croit, tout est possible quand on a la volonté de réaliser ses rêves. Si je suis Ika de Jong aujourd'hui, c'est parce que j'ai voulu l'être. Je me suis battue pour l'être. Je crois que le fait aussi d'être cet exemple pour cette jeunesse me pousse aussi d'aller encore plus de l'avant. C'est vrai que j'ai développé beaucoup d'autres choses, la communication de plusieurs personnalités aussi. Je crois qu'à travers mes réseaux sociaux, vous le voyez. Pour l'Afrique, 2019-2020, une grande page vient de s'ouvrir parce que tu es très impliquée et fière d'être une femme africaine. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, la femme africaine a le droit de parler. Aujourd'hui, la femme africaine se bat. Le leadership féminin est debout, est réveillé. On voit à travers beaucoup de conférences, on voit à travers beaucoup d'événements où la femme est vraiment la tête de toute la situation, la tête de ce continent africain où on lui ouvre les portes à pouvoir s'exprimer surtout. Et je crois que la femme africaine aujourd'hui n'est plus celle qui était hier. Elle développe plusieurs casquettes. On a toujours l'habitude d'avoir une maman qui s'occupe de la cuisine, qui s'occupe du mari, qui s'occupe d'aller au marché et tout. Mais maintenant, on a une femme africaine leader. Et ça permet aussi que le monde soit au courant que la femme noire, le combat de la femme noire est au rendez-vous et qu'aujourd'hui, tout le monde peut se dire que la femme est capable de réaliser aussi de grandes choses. Ika présidente alors ? Ah, ça c'est toi qui le dis. Comme on dit chez les chrétiens, je reçois. J'ai une petite question encore. On te sait très engagé pour l'Afrique et particulièrement pour la RDC. Serais-tu intéressé par un appel politique ? L'appel politique, je peux le dire, j'en discutais tout à l'heure avec ma mère qui me dit non, il ne faut pas toucher à la politique. Mais bon, l'appel, quand l'appel est là, l'appel est là. On ne sait pas faire autrement. Si je suis appelée un jour à porter une casquette politique, je le ferai. Parce que je le fais pour mon pays, je ne le fais pas pour quelqu'un. Je le fais pour mon pays, je le fais pour un continent. On s'est toujours battu à ce que les femmes puissent être au devant de la scène. Et si aujourd'hui, on a des opportunités qui nous permettent de le faire, mais pourquoi pas ? Donc je me dis, si ça vient, je ne dirai pas non. Je le ferai avec dignité, je le ferai correctement pour la République démocratique du Congo avant tout et surtout pour mon continent qui est le continent africain. On dira qui sera Ika de Jong pour l'année prochaine ? Ah ça, je ne sais pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Là, il y a beaucoup de projets qui sont en vue et on est là. Toi, tu es là, c'est toi qui vas communiquer ça comme tu le fais correctement. On verra, l'avenir nous dira ce que nous devons. Dieu nous mettra sur la bonne route et on verra ce que ça va donner. Et 2020, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont faire de grandes choses. Et si le nom d'Ika de Jong apparaît aussi, tant mieux. Comme on dit, c'est Dieu qui donne. Hein? C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne toujours et personne d'autre. Ika, j'aimerais savoir quelle sera ton actualité pour les jours à venir, prochains mois.
Ce qui se passe, c'est que le 14 décembre, j'anime un grand événement ici à Bruxelles pour la première fois qui va se passer au DOCS. C'est l'élection Miss Africa Beauty Union Européenne. C'est la première fois qu'on puisse avoir cette synergie un peu de toutes ces filles qui viennent un peu de partout. Le continent africain aussi, c'est un événement réalisé par Madame Mang et son mari, son excellence, l'ambassadeur de la Guinée équatoriale, qui va se passer ici à Bruxelles. Après, je descends à Kinshasa si tout va bien. Il y a beaucoup de projets qui sont en vue et on verra et on tiendra au courant. Et je crois que streetbuzz.be sera parmi les premiers qui sera tenu au courant de ce qui va se passer. Et sur les réseaux, bah, comment on peut te suivre? Ce ne sera pas difficile? Oui, voilà, ce n'est pas difficile. Ika de Jong, on tape un peu partout, on retrouve mon nom. Maintenant, on tape même mon nom sur Google, on retrouve tout ce que je fais. Je communique beaucoup, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, donc c'est très facile de me retrouver. Et je suis désolée si je ne réponds pas toujours vite à tous les messages. C'est vrai que je suis un peu submergée, mais quand j'ai le temps, je le fais. Sinon, sur GLTV, je continue. Malgré que mon agenda est super chargé, je continue. Et sur streetbuzz.be, vous me verrez peut-être une fois aussi, je tiens le micro de l'autre côté et je pose les questions de l'autre côté aussi. C'est intéressant ça. Ika, merci d'avoir accepté notre invitation sur streetbuzz.be. Merci à toi, merci en tout cas, aller de l'avant. Aujourd'hui, streetbuzz.be, c'est une valeur sûre en Belgique des médias. C'est vrai que nous, on a commencé petit. C'est vrai, on sait que moi, tu as commencé tout seul petit. Et aujourd'hui, tu es parmi les gens où on est obligé de passer à ton micro quand on a besoin d'informer la communauté, quand on a besoin de faire savoir nos réalisations. En tout cas, bravo. Continue, ne lâche pas. On sait que ce n'est pas toujours évident. C'est vrai qu'on est souvent, on a souvent des portes qui se ferment devant nous. Mais quand on force, ces portes finissent par s'ouvrir. Merci en tout cas. Et nous, on se retrouve sur streetbuzz.be. Merci.